Jean-François Bénal, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, oui. Cette cour d'appel. Non, pas chez moi. Pas chez vous. Non, c'est un service public, donc cette maison appartient à tout le monde. Absolument. Mais vous êtes le premier président de la cour d'appel de Versailles. On dit premier président, d'ailleurs. C'est le terme. Oui, parce que pourquoi? Parce qu'il est président de chambre dans C'est une vieille histoire qui remonte à une époque, à l'ancien régime, au Parlement d'ancien régime, puisque la France est... Il y a 36 cours d'appel en France qui sont en général sur le ressort et le territoire des anciens parlements de l'ancien régime. Et donc dans les parlements, il y avait des présidents de chambre et l'un d'entre eux était le premier président de chambre qui animait ou dirigeait la cour. Et donc le terme de premier président est resté dans l'histoire. Voilà. Vieille et belle tradition. Absolument, absolument. Alors nous sommes pas très loin du château de Versailles, puisque... L'endroit où nous sommes, c'était les écuries de la reine. Absolument. Vous êtes dans le domaine du château, très clairement, puisque au moment de la construction du château de Versailles, donc Louis XIV a une emprise beaucoup plus importante que celle qui est aujourd'hui. Oui. La ville de Versailles a gagné sur une partie du château, du parc, mais l'emprise du domaine royal est beaucoup plus importante. Et donc Louis XIV construit des écuries pour loger, donc dès le XVIIe siècle, pour loger sa suite et les escortes, les carrosses, les chevaux qui servent à le conduire. Et les premières écuries du roi sont ici. Le premier bâtiment dans lequel nous sommes, qui est le plus ancien, qui est du XVIIe, servait aux écuries du roi. Et puis très rapidement, on se rend compte qu'elles sont trop petites pour le service de Louis XIV. Et donc on construit les écuries du roi qui sont, elles, maintenant devant le château, sur la place d'Armes. Et ici, le bâtiment est affecté aux écuries de la reine. Et il est agrandi sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI pour faire l'ensemble du bâtiment qui est donc XVIIe et XVIIIe siècle et qui servait aux écuries de la reine. Donc on est sur le domaine du château. C'était une prison aussi, je crois, pendant la Révolution. Ça a été une prison pendant la Révolution, oui. Ça a été une partie du bâtiment. Le bâtiment qui est à l'entrée rue Carnot a été une prison dans laquelle il y a même eu des massacres en septembre. Les massacres de septembre, il y a eu des gens qui ont été tués dans cette prison. Et puis ensuite, ça a été affecté à l'armée, à un régiment de cavalerie pendant très longtemps. Ça a été un hôpital pendant la guerre de 14 et la guerre de 40. Et en 1973, ce bâtiment est affecté au service judiciaire lorsque l'on crée la cour d'appel de Versailles, qui est une cour d'appel très jeune. C'est récent, c'est 74-75, la création progressive. Ouais. Avant, c'était la cour d'appel de Paris, c'est ça, absolument. Hein, Nous étions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le Parlement de Paris, qui est un Parlement de Paris qui avait un territoire très très vaste. Et la cour d'appel de Paris était la fille, enfin l'héritière du Parlement de Paris dans son territoire, puisque ce territoire allait de Chartres jusqu'à Reims, jusque dans Lyon. Et donc, dans les années 70, on estime qu'il y a une trop grosse activité à la cour d'appel de Paris qui ne peut plus faire face au volume d'activité. Et on décide de créer deux cours d'appel nouvelles, supplémentaires. La cour d'appel de Reims, qui va prendre une partie de l'est de la région parisienne et de l'est du Parlement de Paris. Et une cour d'appel dans l'ouest qui est créée à Versailles, donc pour récupérer trois départements qui sont des départements en création, les Yvelines à l'époque, les Hauts-de-Seine, Nanterre, Pontoise, le Val-d'Oise et Chartres. Et Chartres, oui. Qui était dans le ressort de la Cour d'appel de Paris et qui sera dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles. Donc quatre tribunaux judiciaires dépendent de la Chartres, Pontoise, Versailles et Nanterre. Versailles et Nanterre. Et alors, comment se passent les relations? Alors, vous entretenez des relations avec, je suppose, les présidents de chacune de ces juridictions? C'est des relations même très intenses, puisque nous avons une... C'est la tradition et l'organisation des services judiciaires français. Ce sont les cours d'appel qui sont les gestionnaires, donc qui gèrent à la fois les ressources humaines, le budget, le fonctionnement, l'informatique, l'immobilier, l'entretien des bâtiments. Tout est géré par la cour d'appel pour le compte de l'ensemble des juridictions du ressort. Donc la cour d'appel de Versailles a ce privilège d'être l'échelon de gestion et d'organisation et d'animation. Ce qui fait que mon métier est un peu double. Je suis à la fois le chef de la juridiction cour d'appel, une juridiction autonome et spéciale, qui juge en appel les décisions des tribunaux. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Et puis en même temps, je suis aussi avec le procureur général, nous sommes les gestionnaires de l'ensemble. La cour d'appel de Versailles, c'est 2700 emplois, tout confondu, c'est-à-dire de fonctionnaires et de magistrats. C'est-à-dire que vous avez évidemment des liens avec les magistrats du siège, et je pense que le procureur général avec ceux du parquet. Avec les magistrats du parquet. Absolument.
Eh bien, justement, puisque vous disiez, peut-être, est-ce qu'on pourrait expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement de la justice, qu'est-ce que c'est une cour d'appel, à quoi ça sert et comment ça fonctionne? C'est un principe démocratique très ancien, qui date de très longtemps, même depuis le Moyen-Âge. Quand on a une décision de justice qui est rendue, on a toujours le droit de demander à être rejugé une deuxième fois. Le principe, c'est celui-ci, c'est de dire on n'est pas content de la première décision et on demande à être rejugé par des juges différents de ceux qui vous ont jugé une première fois, une deuxième fois. Et on peut avoir plusieurs principes, on peut être jugé par ce qu'on appelle l'appel tournant, ce qui a existé pendant la Révolution française, c'est-à-dire qu'on a été jugé par un tribunal, et c'était le tribunal voisin qui vous jugeait une deuxième fois au même niveau. Il n'y avait pas d'échelon, voilà. Et depuis la réforme de Bonaparte, enfin de Napoléon, on a instauré l'appel avec deux niveaux, donc il y a des juridictions qui jugent en première instance, en première fois, tribunal. Donc chez nous, le tribunal, chez nous, donc Nanterre, Pontoise, Chartres et Versailles. Et on appelle la cour d'appel, qui est une juridiction différente et qui juge la deuxième fois. C'est-à-dire un jugement rendu par le tribunal de Chartres et qui en appelle à Versailles. À Versailles. Qu'on parle de quelque chose, parce que dans tous ces tribunaux, évidemment, il y a le tribunal de Nanterre, notamment. Mm-hmm. Enfin, très grosse juridiction. Et justement, alors j'ai vu à Nanterre, et ça va intéresser les amateurs de séries policières. Il y a aussi un pôle qui a été ouvert, je crois, en 2022. Je vois ce que vous voulez dire. C'est le pôle dédié aux crimes sériels ou non élucidés. Non élucidés, oui. Ce qu'on appelle, que les amateurs de série appellent ça les cold cases. Alors c'est une volonté du législateur. Dans une loi de la fin de l'année 2023, le Parlement a décidé de spécialiser une juridiction sur le territoire national qui est compétente pour reprendre ces dossiers de crimes non élucidés ou de crimes sériels, qui sont parfois oubliés. Sériels, c'est les crimes en série, c'est ça ? Voilà, les crimes en série. Et donc, plutôt que de les avoir sur tout le territoire, et comme il y a beaucoup d'investigations dans ces dossiers, c'est un travail de longue haleine, avec des techniques d'investigation particulières, on a décidé donc fin 2021, de créer ce pôle et donc de le localiser à Nanterre. Il aurait pu être localisé ailleurs, on a choisi Nanterre. Donc la cour d'appel de Versailles, dans laquelle vous êtes, est la cour d'appel de ces affaires. C'est-à-dire qu'elles sont à Nanterre en première instance et en appel, bien sûr, elles sont à Versailles. Il y a, évidemment, c'est de la police, mais je crois que dans la police aussi, il y a aussi un secteur comme... Oui, il y a des services d'enquête spécialisés. Qui reviennent sur des... Absolument, et qui travaillent pour les juges d'instruction du pôle, puisqu'il y a des magistrats du parquet et trois juges d'instruction spécialisés à Nanterre qui n'ont que ce type de dossier en charge et qui se concentrent sur ces affaires-là, mais dont les dossiers viennent de tout le territoire national. Oui, il y avait une série très intéressante qui s'appelait « Cendre » sur un violeur. C'est ce genre de crime. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, le regard aussi que peuvent avoir les policiers ou les juges sur un certain nombre de crimes, je pense au viol notamment, ont beaucoup évolué par rapport à ce qui pouvait se passer dans les années 70. Vous savez, je ne sais pas si vous vous intéressez au cinéma, mais si vous vous intéressez au cinéma, il y a un très beau film sur cette notion de crime sériel auquel on ne pense pas souvent, c'est Le Juge et l'Assassin. Oui, absolument. Eh bien, Le Juge et l'Assassin, c'est une histoire de crime sériel. Absolument. Et le juge d'instruction qui est joué par Philippe Noiret, eh bien, il arrête Galabru. Et il se rend compte que Galabru a certes commis des faits là où il est, en Lozère, je crois, de mémoire, et puis il se rend compte aussi qu'il a commis des faits ailleurs. Et donc il écrit à tous ses collègues juges d'instruction en disant « Dessaisissez-vous à mon profit pour que je puisse instruire toutes les affaires au même endroit. » Ça, c'était très doux parce que c'était au XIXe siècle. Alors, de manière empirique, et maintenant, ce que la loi a fait, c'est de mettre ça en musique et de créer ce pôle au tribunal de Nanterre. Alors, il y a aussi un problème, qui est le problème récurrent de la justice, évidemment, c'est celui de l'embouteillage, enfin des affaires, énormément d'affaires. Oui. Enfin, d'embouteillage, en tout cas. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de procès. Oui, la justice a une activité lourde et importante. D'ailleurs, ces dernières années ont été l'occasion d'un grand débat national sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, son embouteillage, comme vous dites, les stocks, etc., le travail.
Et le gouvernement et le Parlement ont pris les choses en main. Il y a d'abord eu un mouvement, comme vous le savez, de magistrats, de jeunes magistrats, ce qu'on a appelé l'appel des 3000, de jeunes collègues qui ont dit « Écoutez, on ne peut plus, là, c'est fini, il y a trop de travail, on n'a pas assez de moyens ». Ça a donné lieu à des débats hein, qui ont eu lieu partout, à la fois dans les juridictions, mais aussi dans l'opinion publique, hein, ce qu'on a appelé les états généraux de la justice, qui ont duré pendant presque 2 ans, 1 an et demi. Et à l'issue de ces états généraux, il y a une commission qui a rendu un rapport extrêmement riche, précis, qui a fait des propositions, et notamment des propositions de création d'emplois. Et nous avons obtenu, le Parlement et le gouvernement ont obtenu, on nous ont accordé des crédits sur plusieurs années, entre 2023 et 2027, sur 4 ans, la création de 1500 postes de greffiers, de 1800 postes de 1500 postes de magistrats, de 1800 postes de greffiers et de 1200 postes d'assistants de justice. Donc c'est un recrutement extrêmement important, donc qui va se mettre en œuvre dans les années qui viennent. Alors, il y a aussi des procédures un peu différentes. Et évidemment, il y a le procès, mais parfois, on peut éviter le procès par la conciliation. Et il y a le corps des conciliateurs de justice. Vous parliez des conciliateurs de justice. C'est une idée assez intéressante, c'est de dire, en matière civile, quand on a un litige avec quelqu'un, que le litige soit un problème de bornage, un problème d'arbre qui ne pousse pas au bon endroit, de vie quotidienne, ou même un litige avec son fournisseur d'accès Orange sur une facture, ou des litiges plus importants. Ça peut être des litiges qui tiennent à des règlements entre sociétés, de capitaux importants qui sont en jeu. On peut bien sûr saisir la justice, qui est là, est un service public qui est là pour rendre des décisions et trancher le litige, mais on peut utiliser soit à l'initiative du juge, c'est ce qu'on appelle la médiation judiciaire, soit de manière spontanée, recourir à un tiers qui est désigné pour essayer de trouver une solution amiable au procès. Alors ça, c'est quelque chose qui est très porté, qui a été mis en œuvre par la loi de programmation de la justice de 2023, qui est un processus qui est très développé. La Cour d'appel de Versailles est pionnière dans la matière et nous recourons beaucoup dans les juridictions en première instance et en appel à ce système de la médiation. Et nous essayons dans tous les dossiers qui nous sont donnés de trouver ceux qui sont en capacité de trouver une solution autre par l'intermédiaire d'un médiateur. Et comme on dit, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Hein, je ne sais pas, en tout cas, l'objectif c'est que les parties aient une solution à leur litige. Alors qui peut devenir conciliateur de justice? Alors la conciliation c'est autre chose. C'est autre chose, pardon. Les conciliateurs ce sont des gens bénévoles, qui sont des citoyens bénévoles, qui ont une formation. Pas forcément des anciens magistrats. Non, ce sont des citoyens bénévoles qui sont à la retraite en général et qui ont envie d'œuvrer pour les autres. La conciliation, elle existe en France depuis 1978, donc c'est une institution assez ancienne. Et dans chaque commune, dans chaque canton, vous avez un conciliateur de justice qui est un bénévole, qui tient ses permanences d'ailleurs dans les mairies ou dans les tribunaux, et qui reçoit les particuliers qui viennent leur apporter son litige et qui essayent de trouver une solution. Mais la conciliation se fait en dehors du système judiciaire. C'est ça, c'est pas ce sont les gens qui sont volontaires, les citoyens sont volontaires pour aller apporter leur dossier et trouver une solution. La médiation, c'est un peu différent, c'est en général la juridiction qui dit dans ce dossier, je tente une médiation. D'accord. Alors, parfois, c'est pas, les gens sont impressionnés quand ils rentrent dans un tribunal, dans une cour d'appel, et on a eu l'impression parfois que la justice était un peu refermée sur elle-même. Alors ici, d'ailleurs, architecturalement, je crois qu'il va y avoir des transformations pour ouvrir la cour d'appel, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir se promener. Oui, nous avons un projet de restructuration de la cour d'appel importante à Versailles, et dont un des objectifs, c'est de réouvrir le bâtiment pour que l'allée centrale, que vous avez vue, le traversée des cours, soit ouvert au public dans la journée et que les gens de Versailles puissent traverser les locaux sans aucune difficulté. C'est un signe d'ouverture, en effet, de l'institution. Mais il y a d'autres signes d'ouverture. Je crois que vous avez des stagiaires de seconde, par exemple. On a une politique très ouverte dans 3 directions. On a une politique assez ouverte sur l'accueil des stagiaires, en effet, puisque moi j'estime, et mes collègues également partagent ce point de vue, que nous avons besoin de nous ouvrir, d'expliquer ce que nous faisons. Et donc nous avons beaucoup de stagiaires qui sont étudiants en 3e, en 4e, en 2nde, en 1ère, qui sont présents et qui viennent passer une semaine de stage dans le cadre de leur scolarité. Et c'est l'occasion pour eux de voir ce que c'est que de rendre la justice au nom du peuple français.
Mais la deuxième direction, c'est que nous avons des stagiaires plus pointus, qui sont des étudiants en droit, et qui là, à l'occasion de leurs études de droit, viennent faire un stage un peu plus long, hein, de plusieurs mois. Et puis nous avons une troisième catégorie qui sont des personnes qui viennent travailler avec nous pendant leurs études. Ce sont ce qu'on appelle les assistants de justice, qui sont des étudiants qui viennent travailler à mi-temps dans les juridictions pour donner un coup de main, aider, préparer des dossiers, et qui sont un public très particulier que nous accueillons bien volontiers. Avec une particularité à Versailles, c'est que nous avons axé le recrutement de ces personnes sur, grâce à des associations avec lesquelles nous travaillons, notamment une association qui s'appelle La Courte Échelle. Nous travaillons sur des publics qui sont des étudiants issus de milieux défavorisés et à laquelle nous pensons qu'il faut donner un coup de main dans le cadre de la préparation et de la poursuite de leurs études. Et c'est intéressant même pour eux de Ah, c'est un échange extrêmement riche parce que ça leur permet à eux d'abord d'avoir une rémunération pendant leur étude, et deuxièmement de s'intégrer dans un milieu professionnel, et puis ça leur permet d'avoir des contacts et des référents au sein de la juridiction qui vont leur servir pour préparer leurs concours, préparer leurs examens, et leur apporter un suivi, un mentorat, ou un tutorat, comme on peut le dire, pour les aider à intégrer un milieu professionnel. Et ça, nous y tenons beaucoup, à cette action sociale, puisque nous estimons que nous avons un devoir de recrutement dans toute la diversité de la société française. Après, pour devenir magistrat, c'est toujours l'école nationale de magistrature. Absolument, c'est le concours classique que l'on connaît bien. Bien que... ce que j'allais vous dire, c'est que 40% des magistrats en poste, en fonction, n'ont pas fait l'école. Il y a des anciens avocats qui intègrent la magistrature, il y a des cadres juridiques du privé qui, à un moment de leur carrière, décident de changer d'orientation et intègrent. Et puis, il y a des gens qui ont un passé professionnel et qui passent parfois un concours spécifique qui leur permet d'intégrer directement sans passer par l'école. Et donc, du coup, la magistrature, contrairement à ce que on pourrait penser, elle n'est pas composée à 100% de gens qui ont fait l'ENM, etc. Il y a 40% des magistrats en poste qui sont originaires de ce qu'on appelle la société civile. Donc la justice, elle est très ouverte sur le monde, elle est très diverse et elle est très... Vous savez, le service public de la justice, c'est probablement le service public en France de l'État qui est le plus proche des concitoyens. Ce n'est pas un service public coupé du monde. Mais on n'a pas fait cette impression-là. C'est vrai, parce que je peux vous dire que la réalité est tout autre. Quel est le public de la justice, finalement? Le public de la justice, c'est des milliers de personnes. Ce sont les plus défavorisés et les plus, défavorisés, les plus en difficulté de nos concitoyens. C'est la femme qui est battue par son mari, c'est la personne qui est licenciée, c'est celui qui a des problèmes de surendettement et qui n'arrive pas à payer ses dettes, c'est celui qui est expulsé de son logement, c'est les enfants qui sont en difficulté parce que les parents sont maltraitants. Et voilà, la justice, c'est d'abord et avant tout des gens qui ont des difficultés, qui ont besoin de la justice pour régler leurs difficultés, pour trouver des solutions. Et notre public, c'est celui-ci. Et la deuxième chose qu'on oublie, c'est que la justice, les juges sont sur le terrain. Nous avons en France 1200 sites judiciaires. Il y a les tribunaux, comme on a dit, mais par exemple, vous avez dans les Hauts-de-Seine un tribunal à Nanterre, mais 8 tribunaux de proximité dans des cantons qui rendent la justice du quotidien. Pareil dans les Yvelines, pareil dans le Val-d'Oise, la justice, elle est proche du terrain, elle est très proche des gens. Dans quel secteur vous voyez monter le nombre d'affaires? Vous parliez des violences intrafamiliales, par exemple. Oui, ça, les violences intrafamiliales, je ne dis pas que le nombre de violences augmente. Non, ce qui est très clair, c'est que nous en repérons plus. Et puis il y a plus de plaintes. Et que les politiques publiques qui sont en place font que maintenant, on poursuit systématiquement les auteurs de ce type de violences. Et c'est une politique publique. Vous savez, les juges ne sont pas coupés du monde. Les juges, ils appliquent et ils mettent en œuvre des politiques publiques qui sont souhaitées par la nation. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple que vous connaissez certainement, c'est celui de la délinquance routière. Vous vous rappelez certainement que le président de la République, Jacques Chirac, en 2002, dit que c'est une cause nationale, il faut lutter. On avait 14 000 morts sur les routes. Et donc, il y a un tas de mesures qui sont prises, notamment des mesures dans le domaine de la justice, en réprimant plus sévèrement le conducteur alcoolisé, le conducteur en excès de vitesse. Et la justice fait son travail et elle a contribué
par son action répressive, à faire que nous n'avons plus que 3 ou 4 000 morts sur les routes. Le FMBC, oui. Le deuxième exemple, ce sont les violences intrafamiliales. Mmh. La justice contribue à la volonté de la nation. La nation décide que la priorité, c'est de lutter contre les auteurs d'agressions familiales. Eh bien, la justice joue son rôle et elle applique cette politique. Les juges ne sont pas en dehors du monde, ils sont bien dans le monde. Ben justement, puisqu'ils sont dans le monde, il y a une actualité qui arrive à grands pas, c'est celle des Jeux Olympiques. Absolument. Alors, on pourrait se dire que la justice et les Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir. Et pourtant, si, parce que, évidemment, il peut y avoir des arrestations, il peut y avoir des infractions qui sont commises à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Ça demande quoi d'abord? Une mobilisation, parce qu'en principe, il y a des vacances judiciaires au mois de juillet, au mois d'août, non? Oui. Au mois de juillet et au mois d'août, il n'y a pas de vacances judiciaires. C'est comme tout le monde, les juges, les greffiers prennent des vacances. Oui. Donc en juillet et en août, les gens se répartissent et notre activité diminue à peu près de moitié, parce qu'il faut bien que les gens prennent leur congé d'été. Donc nous ne nous arrêtons jamais. La justice, est-ce qu'on n'a pas les vacances judiciaires, c'est quoi alors? C'est le fait que nous passons à un rythme diminué. Un peu diminué. Oui, jamais de justice. La justice ne s'arrête jamais. Les hôpitaux, comme la police, c'est un service public régalien. Bien sûr. Elle est toujours ouverte, la justice, la nuit, le jour, le week-end, par les permanences que tiennent les collègues. Enfin, on pourra en parler si vous voulez. Mais pendant pour parler des JO, c'est vrai que nous avons cette période de ralentissement de l'activité traditionnelle en juillet-août, et cette année, nous avons été très mobilisés, et nous sommes très mobilisés par les Jeux Olympiques, comme tous les services publics, mais particulièrement le nôtre, parce que nous devons nous organiser pour faire face à des difficultés qui pourraient survenir. La difficulté, je ne suis pas sûr qu'elle soit certaine, mais non, elle peut survenir. Elle peut survenir, oui. Oui, on espère qu'il y en a. Il faut que vous ayez en tête une idée, c'est qu'entre la mi-juillet et la mi-août, à peu près, en région parisienne, du fait des Jeux Olympiques, nous aurons, pas à un moment donné, mais sur l'ensemble de la période, 11 millions de visiteurs supplémentaires, de touristes ou de gens qui viennent d'ailleurs. Ces visiteurs peuvent générer, pas eux-mêmes, mais peuvent générer, être victimes d'agressions, peuvent être victimes de vols, de choses de cette nature, ou alors peuvent aussi être victimes d'agressions plus graves sur la voie publique. Il faut que nous soyons présents, et donc nous sommes organisés pour être présents et pour renforcer nos structures pendant ces mois de Jeux Olympiques. Ça veut dire aussi... c'est ça, oui, ils peuvent être victimes. Est-ce qu'on a des... vous avez l'expérience des pays dans lesquels oui, ça s'est produit? Oui, absolument. Il y a eu des études qui ont été faites. Différents systèmes ont été mis en place. Alors, je vous le dis très librement, nous n'avons pas pris modèle sur les Jeux Olympiques de Pékin. Non, nous sommes dans un état de droit. Et nous sommes dans un état de droit qui respecte les libertés individuelles. C'est plus simple. Mais on a beaucoup regardé ce qui s'était passé à Londres, notamment. Oui, c'est ça, je pensais à Londres. Et nous avons donc mis en place un système qui est assez simple. Nous avons eu des moyens supplémentaires cette année qui nous ont été accordés par le gouvernement, par le garde des Sceaux, qui nous ont permis de renforcer nos équipes et de faire face à la situation dans plusieurs domaines. Le domaine du pénal, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les comparutions immédiates. Comparutions immédiates, donc nous les avons considérablement renforcées. En temps normal, il y a toujours une comparution immédiate tous les jours à Versailles, Nanterre et Pontoise. Pendant les Jeux Olympiques, il y aura deux comparutions immédiates à Versailles et Pontoise au lieu d'une, et il y aura trois comparutions immédiates à Nanterre. Donc on renforce considérablement, on double les permanences des juges d'instruction, des juges d'application des peines, des juges des enfants, qui sont doublés, et on renforce considérablement les permanences et les systèmes d'urgence du parquet, ce qu'on appelle le traitement en temps réel des affaires pour faire face aux difficultés. Voilà, donc il y a une vraie présence pendant les Jeux Olympiques. Ça demande, alors, il y a les magistrats sont évidemment concernés au premier chef, mais ça veut dire que s'il y a des étrangers, il faut aussi des interprètes. Absolument. S'il y a des comparutions, il faut aussi des avocats. Absolument. Donc nous avons mobilisé des interprètes, hein, puisque nous avons depuis... On a commencé à travailler sur les Olympiques fin 2022. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été mis en place progressivement.
c'est une opération extrêmement lourde et importante pour nous. Nous avons mobilisé les interprètes en les contactant individuellement chacun, en leur demandant leur disponibilité pendant juillet-août, en tenant des tableaux pour être sûr d'avoir présent des interprètes pendant cette période, mobiliser les avocats qui ont tous doublé ou triplé leur permanence possible, mobiliser également la médecine légale, ça paraît un peu surprenant, mais il faut qu'il y ait des médecins légistes pour constater les blessures qui pourraient être causées. Donc nous avons mis ça en place de manière extrêmement méthodique pour être prêts pour les JO, et les JO nous concernent. La justice est engagée dans les JO, et nous avons bénéficié également de l'expérience, pas très heureuse, mais l'expérience que nous avons eue l'année dernière, rappelez-vous, en juin-juillet, où nous avons eu les violences urbaines qui étaient très lourdes, et nous avons utilisé ce schéma pour voir comment faire face à ce type de situation. Et il y a peut-être un problème aussi, enfin, il y a une surpopulation carcérale, on le sait. Hein. Est-ce qu'on ne risque pas d'aggraver cette question ? C'est un sujet qui nous tient à cœur. Les magistrats du siège, alors je vous parle pour les magistrats du siège, ont souhaité, à ma demande, hein, réfléchir dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles, donc à Versailles, mais également dans les autres départements, à régler cette contradiction, c'est-à-dire la contradiction qu'il y a à avoir une surpopulation pénale dramatique, hein, puisqu'on a des taux d'occupation qui vont jusqu'à 160-180% de la population. J'ouvre une parenthèse pour démentir ce que l'opinion publique peut appeler le laxisme judiciaire. Vous savez qu'en 2000... Oui, ça, on en parle beaucoup. En 2001, 1er janvier 2001, il y avait 42 000 détenus à un moment donné en France. Aujourd'hui, nous sommes à 80 000. Donc en 20 ans, la population pénale a doublé. Donc, est-ce que la délinquance n'a pas doublé pour autant ? C'est à voir. En tout cas, nous avons souhaité régler cette difficulté qui était de dire si nous avons des émeutes, si nous avons des difficultés pendant les JO, ça se traduit par des comparutions immédiates et souvent par un mandat de dépôt, donc par un écrou en prison. Mais en même temps, nous ne pouvons pas prendre le risque de faire éclater les établissements pénitentiaires ou de provoquer une surcharge supplémentaire dans les établissements. Donc nous avons beaucoup travaillé avec l'administration pénitentiaire pour développer pendant les JO trois types de peines alternatives qui sont des peines visibles, immédiates, rapides, sévères, mais qui pour autant ne sont pas un mandat de dépôt. Je vous l'ai décrit rapidement. La première, c'est ce qu'on appelle le placement sous bracelet électronique. C'est-à-dire qu'on condamne quelqu'un à 6 mois d'emprisonnement, mais au lieu de dire « vous partez en prison », on lui met un bracelet dans les jours qui suivent, et on sait où il est. La deuxième, c'est le travail d'intérêt général, donc on fait travailler les gens dans des opérations qui sont très liées aux JO, d'ailleurs, sur des horaires, on le peut donner, 50, 60, 100 heures de travail d'intérêt général, qui est un travail gratuit qu'on effectue, mais tout de suite, pour que la réponse soit immédiate. Et la troisième, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les quartiers de semi-liberté, c'est-à-dire surtout pour les gens qui ont un emploi ou une formation, au lieu de les écrouer toute la journée, ils ne sont écroués que la nuit et la journée, ils vont travailler, mais le soir, ils doivent revenir en prison. C'est une manière d'aménager la peine. Et nous avons développé avec l'administration pénitentiaire ce système, ces trois peines, et incité nos collègues qui seront à l'audience à prononcer ce type de peine. Comment vous voyez là, vous disiez, tout ça peut se passer très très bien. On est un peu dans l'incertitude là, forcément. Il faut prévoir le pire. Oui, notre obligation est une obligation de service public. Oui. Le service public, sa qualité essentielle, c'est d'anticiper et de prévoir. L'ensemble des services de l'État sont mobilisés pour les JO, le ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie, la douane, tout le monde s'est mobilisé pour les JO. Il faut que la justice se mobilise pour être prête au cas où. Ce que nous souhaitons tous, c'est qu'il ne se passe rien et qu'ils ne soient pas saisis. Mais si nous sommes saisis et que nous n'avions pas pris et fait ce travail de préparation, je crois que vous seriez venu nous voir pour nous le reprocher. Absolument. Ça fait quoi, presque 2 ans que vous êtes... Enfin, 2 ans et demi, je suis arrivé en janvier 2022, oui, c'est ça. Vous êtes à la tête de ce qu'on appelle, vous êtes le premier président. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus surpris dans cette fonction et de quoi vous êtes le plus fier ? Ah, je suis surpris par positivement. Oui. J'étais extrêmement... mais ça, je crois que
C'est une, j'enfonce une porte ouverte, mais ça mérite d'être dit par la qualité des collègues qui sont en poste ici. Mmh. La cour d'appel de Versailles, c'est une cour d'appel dans laquelle on a un grand respect de la qualité professionnelle du travail, et les arrêts de la cour d'appel de Versailles sont des arrêts qui sont connus. Voilà, et je crois que les collègues, il faut leur rendre hommage pour cet engagement professionnel qui est le leur, et pour leur esprit d'initiative et de vigueur, si je puis dire. Voilà. Et puis, ce qui m'a le plus surpris, mais aussi là très agréablement, c'est la capacité de cette juridiction à s'adapter et à faire face aux défis modernes qui sont les siens. Notamment, on parlait tout à l'heure de la médiation, on parlait tout à l'heure de... Je pourrais vous parler également des écritures des avocats, je pourrais vous parler de la rémunération des avocats. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui ont été traités dont nous sommes très fiers. Donc, ce dont je suis le plus fier à titre personnel, je crois, c'est d'avoir pu donner l'occasion à mes collègues de monter en puissance et en capacité et de les accompagner dans ce mouvement. On dit souvent que, c'est pour terminer cet entretien, que le monde de la justice est peut-être un de ceux qui va le plus changer dans les 20 ou 30 années qui viennent avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de nouveaux moyens. Oui, tout à fait. Ça fait 40 ans moi, que je suis magistrat. Oui. Vous avez connu cette évolution. Ce que je veux dire, c'est que la justice est un des services publics qui est le plus adapté et qui s'adapte le plus à toutes les réformes. Moi, en 40 ans, j'ai vécu plus de 30 réformes de la procédure pénale. La réforme des assises, la réforme de l'application des peines, la réforme en matière civile. Nous vivons en permanence dans les réformes. Le droit est en permanente évolution, est en permanente création. Et la justice qui la caractérise, sa capacité d'adaptation aux chantiers, aux évolutions, aux nouveautés. L'intelligence artificielle sera certainement un défi très important, mais il y a d'autres défis qui se posent. La présence sur le territoire, l'ouverture aux concitoyens, le rapport aux concitoyens, s'adapter aux évolutions sociales, pas faire de sociologie, mais enfin, le monde bouge, les équilibres changent, les besoins changent, la capacité d'adaptation change. Vous savez, je vais donner un chiffre qui va peut-être vous surprendre. Entre 25 et 45 ans, dans cette tranche d'âge, un Français sur deux rentre dans un tribunal. Ah oui. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans ou 40 ans. Il rentre dans un tribunal essentiellement pour une affaire familiale. Il divorce, il se sépare. Il faut régler des questions patrimoniales dans un divorce, dans une séparation. Il faut régler des problèmes de garde d'enfants. Eh bien, un Français sur deux rentre dans un tribunal entre 25 et 45 ans. Donc, vous voyez, c'est un défi, par exemple, qui est le défi, et je ne fais aucun commentaire moral, mais la société bouge. Dans les années 1960, on se mariait et on vivait 40 ans avec une personne. Ce n'est plus tout à fait le cas. Et les enfants étaient tous issus d'une même union. Les divorces sont fréquents, les recompositions familiales, les évolutions dans la vie font que, il faut qu'on puisse répondre aussi à cette demande. Dans un autre domaine aussi, je pense qu'on n'envisageait pas il y a 30 ou 40 ans d'avoir 3-4 carrières différentes dans sa vie professionnelle. On était ouvrier peintre, ouvrier chez Renault, dans la même entreprise, on créait son entreprise, on était jusqu'au bout de sa vie. Maintenant, c'est fini. Les jeunes de 25-30 ans, ils ont un métier, deux métiers, trois métiers, ils bougent. Ils bougent socialement, ils bougent géographiquement, ils bougent dans leurs compétences, ils évoluent beaucoup plus qu'avant. Et la justice doit s'adapter, parce qu'à chaque fois, ce sont des litiges éventuels avec son employeur, avec son conjoint, des problèmes de liés à la mobilité sociale qui est de plus en plus forte. Et il faut qu'on puisse s'adapter. Et la justice s'adapte à ces évolutions. J'allais dire que vous êtes magistrat et vous êtes resté magistrat depuis 40 ans, mais vous avez connu au moins 3 ou 4 carrières aussi différentes. J'ai fait des choses différentes dans la magistrature, moi, et puis l'évolution de la société. Et puis surtout, droit et de la société à titre personnel, c'est peut-être une illustration. Moi, sur les 40 années de ma vie professionnelle, j'ai exercé 20 ans dans les juridictions et 20 ans dans d'autres métiers. J'ai aussi, testé la mobilité professionnelle et j'y suis très attaché. Merci infiniment. Je vous en prie. Et alors, courage pour les JO. On va essayer. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.